C'est une visite d'amitié, de fraternité et de coopération. Le président Diomaye Faye a rencontré mardi 7 mai son homologue ivoirien Alassane Ouattara pour le nouveau président sénégalais. Cette visite représente une occasion privilégiée de renforcer les liens historiques qui unissent les deux nations et d'explorer de nouvelles avenues de coopération bilatérale. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations. Avant l'indépendance, et depuis l'indépendance, j'indiquais que le président Oufuette a vécu au Sénégal et moi-même, et nous avons établi des relations de coopération, d'amitié, de vraies relations fraternelles, mais également des relations diplomatiques. Et ces relations nous ont permis de part et d'autre d'accueillir une forte communauté de Sénégalais en Côte d'Ivoire comme d'Ivoiriens au Sénégal. Les enjeux stratégiques de la région, notamment ceux liés à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ont été également abordés entre les deux chefs d'État. Ensemble, nous pouvons exploiter beaucoup de potentialités qui existent dans les deux pays et renforcer cette coopération économique et commerciale que nous avons tout le temps entretenu, mais qui doit, avec chaque régime qui vient, qui trouve un autre dans l'autre pays, connaître une certaine croissance toujours plus accrue. À la cérémonie d'investiture de Diomaye Faye à Dakar le 2 avril dernier, c'est le vice-président ivoirien Thiemoko Meillette Kone qui avait représenté le chef de l'exécutif ivoirien Alassane Ouattara. Par ailleurs, dans le cadre du renforcement de leur coopération, le Sénégal et la Côte d'Ivoire avaient signé à Abidjan en juin 2019 5 accords au cours d'une visite d'État du président sénégalais d'alors, Macky Sall.